Tu as 33 ans. Dans cette équipe, tu joues pas, toi? Je joue pas, je suis inquiet pour toi, je te dis de suite. Hein. Non, non, mais ça déconne, c'est pas des fleurs. Ça va au-delà du sportif. C'est, toi, c'est les problèmes que tu avais eu à l'époque. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment au niveau des binationaux. Ouais, non, mais je me souviens, à une certaine époque, moi. C'est Navao qui était venu me rechercher à Bordeaux. J'avais décidé d'arrêter la sélection. C'est lui qui était venu me rechercher. Le sélectionneur. Voilà, mais le faible temps de jeu que j'ai eu au Werder de Brême a fait que j'avais raté le train à ce moment-là. Il y a eu l'explosion des jeunes joueurs, Linetti, Jelinski, tous ces jeunes-là. Et j'ai raté le train pour l'Euro 2016. Et avec l'arrivée de Boniek, qui lui ne veut plus de binationaux, l'affaire s'est vite. Ton problème est hors football, parce que je me souviens à l'époque, tu nous avais expliqué qu'il y avait déjà des problèmes. Et ok, non, mais au moins tu me rassures, quoi, parce que bon, j'ai pas la prétention de dire que je pourrais jouer encore dans cette équipe, mais c'était surtout. Non, mais toi tu peux pas le dire, mais nous on peut le dire, quoi, tu vois. Ouais. En même temps, vu ce qu'on